Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais faire une omelette aux croûtons aillés et aux tomates. Donc, je vais commencer par casser mes œufs dans un bol et les battre à la fourchette, les saler et les poivrer. Voilà, donc j'ai cassé mes œufs. Je viens les battre. Je mets à chauffer ma poêle. J'ai mis un peu d'huile d'olive et je vais en mettre tout dans le fond et sur les côtés. Je bats mes œufs, je vais les saler et les poivrer. Voilà, je refouette un peu et je viens les verser dans la poêle. Je vais laisser cuire et je vais venir mettre mes petits croûtons dans les œufs. Fermer et je vais y mettre également des petites tomates. Je les ai préalablement lavées. On va essayer de faire que ça fasse joli. Voilà. Donc on laisse bien cuire, pas trop fort, faut pas que ça rôtisse, hein. Il faut juste que ça cuise. Et on va laisser cuire. Je vais venir mettre un tout petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Pour les dernières minutes, je vais mettre un couvercle puisque je ne vais pas la retourner. Et de cette façon, elle va cuire à l'étouffée sur le dessus pendant 3-4 minutes. Peut-être même un peu moins. Voilà, il s'est passé 3-4 minutes. Et je peux venir la servir. Et voilà la jolie petite omelette aux croûtons aillés et tomates. Bon appétit!